On va faire parler la demoiselle qui est arrivée. La dame. Alors, bonsoir. Alors, je suis très heureuse de vous présenter ce bouquin que j'ai vraiment adoré. C'est un auteur que je ne connaissais pas, que je découvre à travers ce livre, donc Russell Bonks. C'est un auteur qui est un écrivain majeur dans la littérature américaine contemporaine. Il s'inscrit dans un courant progressiste, donc c'est un auteur pour lequel les questions, les notions de progrès social, justice sociale sont très importantes. Et il milite activement, il a milité contre la guerre en Irak, il a milité pour la Palestine et pour plein d'autres choses. Il est connu comme étant un grand activiste. Alors ce qui est intéressant aussi de savoir sur Russell Bonks, c'est que les thématiques majeures de ses œuvres sont... il s'intéresse beaucoup aux petites gens en fait, les petites gens au quotidien précaire, les petites gens qui doivent se démener pour accéder à un niveau de vie meilleur. Mais la question, le rapport au père est également une thématique importante dans l'œuvre littéraire qui est la sienne. Et là, c'est intéressant pour ce livre, le rapport au père. Et le père aussi a une portée, enfin le père peut représenter aussi la patrie. Parce que c'est un auteur dans ce livre qui fait quand même une critique assez acerbe sur les États-Unis, dans ce qu'il décrit. Alors, le livre paraît en 2004. Et donc, dans ce livre, l'auteur fait le choix de se mettre dans la peau d'une femme. Elle s'appelle Anna. Et donc, cette femme est issue d'un milieu cultivé, aisé, de la gauche bourgeoise. Et donc, quand elle raconte ce récit, elle est à l'aube de ses 60 ans. Et donc, elle revient un peu sur les événements qui ont marqué sa vie. Elle parle un peu de son enfance, elle parle de sa vie étudiante. Elle a fait preuve d'un radicalisme politique parce qu'elle était dans un mouvement classé terroriste. Qui oui, militait contre. Elle était recherchée par le FBI, elle voilà. était très proche des mouvements comme le Black Panthers. Voilà. Vous ne voulez pas le présenter bon. Complexe. on peut bien commencer. Voilà. Donc, son activisme va la pousser dans la clandestinité. Donc, elle va devoir changer de nom. Elle va pas voir ses parents pendant plusieurs années parce qu'elle va vivre dans la clandestinité. Elle sera même amenée à aller vivre en Afrique. Donc, tout au long du récit, il y a une sorte de quête de soi, une quête d'identité. Il y a des errements, il y a des égarements, il y a des errances. Ce livre sonne un peu comme une sorte de monologue introspectif. Et donc, quand elle arrive en Afrique, et c'est vraiment là que l'intérêt, tout l'intérêt du livre, elle va aller au Ghana d'abord, puis au Libéria, un petit pays d'Afrique anglophone. Et elle va se marier à un ministre délégué à la santé, un local, M. Sundiata. Donc elle, la femme blanche américaine, va épouser un homme noir, un local, un homme qui quand même, c'est un ministre, donc c'est un milieu aisé, c'est un milieu, voilà. Donc elle est privilégiée. Alors elle va faire 3 enfants à cet homme. Et c'est là que tout l'intérêt du livre se situe. Parce que finalement, elle va être obligée de repartir aux États-Unis. Et quand elle commence ce livre, la narration de ce livre, c'est vraiment... Elle est aux États-Unis, elle veut repartir en Afrique, où elle a abandonné ses enfants, où elle a abandonné ses chimpanzés. L'histoire... Désolée, je ne reconnais pas ça. Cyril n'est pas d'accord. Magnifique. Et donc, tout l'intérêt du livre, c'est vraiment que Russell Bonks parvient à nous parler de la situation du Libéria. Ce livre a une portée historique, puisque les faits racontés, du moins le contexte dans lequel tout cela se situe, est véridique et approfondi. C'est un travail très documenté. Donc le Libéria, c'est un pays, pour ceux qui l'ignoraient, qui a été créé par des fugitifs ou des Afro-Américains libres. Voilà, qui vont coloniser ce pays et qui, chose curieuse, vont un peu reproduire ce qu'ils ont subi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont exercer une sorte d'oppression sur les populations locales, le travail forcé, une soumission, en fait, voilà. Et donc, le pays va être aux mains de ces Americanos. Et donc, c'est toute cette histoire qui est relatée, la violence, la corruption, une minorité de cette élite qui vit dans un luxe mais insolent et une grande partie de la population qui vit dans la pauvreté, les agriculteurs qui finalement ne peuvent même plus vivre du fruit de leur travail. Et c'est toute cette histoire qui est relatée avec une analyse très judicieuse, très importante, on est vraiment plongé, c'est très saisissant, c'est très marquant et c'est ça qui fait tout l'intérêt du livre. Alors bien sûr le profil psychologique également de l'héroïne qui là est un personnage... agaçant, déroutant, un personnage très froid qui
durant sa jeunesse, elle va faire preuve d'un militantisme, parler de, d'humanisme, puisqu'elle va lutter, militer pour les droits civiques des Noirs et tout ça. Mais dans la vraie vie, tout cela finalement sonne creux, c'est du vide. Parce que face à des humains, elle a du mal. Elle est dans une quête d'identité, elle a du mal, même dans le rapport qu'elle entretient avec ses propres enfants. Et c'est là, voilà pourquoi on a choisi ce livre sur la thématique Mère indigne. Elle a une sorte de froideur, elle est détachée, elle semble même manifester plus d'intérêt à ses chimpanzés qu'à ses propres enfants. Je vais lire un extrait par rapport à ça. Là, elle parle de son accouchement. Je commence là. L'accouchement comme la grossesse et le coït m'ont remodelé. C'est ce que m'avaient prédit toutes celles qui avaient vécu la chose. Mais, contrairement à ce qu'on m'avait promis, l'expérience ne m'a nullement amené à être davantage femme. Elle m'a rendu plus étrangère à moi-même. De la baleine qui porte un marsouin dans son ventre, je suis passé à la peau de serpent vidée, une enveloppe. Jusqu'à ce que peu à peu, une fois le bébé et un an plus tard, les jumeaux enfin sortis de moi, je me remplisse de nouveau et, gonflé alors de sang et d'un lait qui se déverse, goutte à goutte, ruisselle et parfois même gicle de mon corps, je me rends compte que j'étais devenu un réservoir nutritif percé, un navire de ravitaillement. Dépersonnalisé, chosifié, mon corps transformé en vaisseau privé de tout lien avec mon moi intérieur. Je n'avais pas une nature de mère, contrairement à la plupart des femmes, je ne suis pas né programmé avec des instincts et des compétences de mère. Il a fallu que Janine m'enseigne pratiquement tout. Bon, bref. Donc vraiment, elle est... C'est comme ça sur tout le livre. Et il faut voir, comme elle a dit, c'est qu'elle est très violente. En plus, ce qui est encore particulier, c'est qu'elle est très violente dans la première partie du livre, dans son engagement. Dans sa jeunesse, pour les droits et autres. Très froide dans ses relations avec les hommes. Mais quand elle arrive et qu'elle se marie à ce Sundiata, en fait, elle passe de la personne révoltée à la personne qui est une femme soumise. Effacée. Qui, en fait, elle n'a pas de vie, elle est quelqu'un d'effacé, elle subit les événements, alors que c'était quelqu'un qui, dans sa jeunesse, était très dynamique, qui gérait, elle a quand même géré une espèce de cellule considérée comme étant une cellule terroriste. Et puis, sur toute sa partie africaine, elle devient vraiment inerte. Molle. La seule chose sur laquelle elle se concentre, ce sont ses Saint-Pongé. Et tout le temps, elle est... Et une fois qu'elle revient, parce qu'il y a un coup d'État, l'intérêt, comme elle a dit, c'est l'histoire libérienne. Parce qu'elle voit tout le monde. Elle voit Charles Taylor, elle voit Samuel Doe, parce que son mari est en plein dedans. Donc elle vous décrit vraiment ces hommes-là, l'architecture politique et autres. Et quand il y a Samuel Doe qui tombe, donc il y a la guerre qui survient, elle est obligée de fuir, elle abandonne ses trois enfants. Et donc là, elle décide de revenir dans un pays, en pleine guerre, toute seule, à 59 ans, aller rechercher ses enfants. Et on passe dans... Ces enfants qui sont devenus grands et qui sont surtout devenus limite terroristes, sont devenus des chefs de guerre. Donc c'est très intéressant vraiment dans son parcours. C'est vrai qu'elle est une femme particulière dans sa tête. Elle est bizarre vraiment, sa manière de réfléchir, sa manière de penser le monde. Mais c'est super intéressant dans le fait qu'elle nous montre le Liberia. Et en le relisant et en revoyant les chroniques qu'on avait faites, j'ai pensé à une chose. Ça n'a rien à voir, désolé, je fais une petite parenthèse. Je suis assez critique sur, dommage que mon ami Ramsey soit pas là, sur le terme afropéen. Vous savez, c'est un truc très à la mode. Ben, à l'époque, on avait chroniqué ce livre-là en parallèle avec le livre Esclaves de Kanye Alem. Et vous savez le point commun entre ces deux livres ? Kanye Alem parle des esclaves chassés du Brésil et qui sont renvoyés sur les côtes béninoises. Il y a un gros soulèvement. Et puis, il y a une partie des esclaves qui reviennent. Et ils forment quoi ? Une tribu qui s'appelle les Afro-Brésiliens. Et ils font quoi ? Ils soumettent les populations sur place et ils les vendent comme esclaves. Dans ce livre, le Libéria est formé par l'Amérique, qui est le nord de l'Amérique, qui où il n'y a pas l'esclavage, mais qui sont dans un trop-plein de noirs, parce que tous ceux qui viennent du sud fouillent vers le nord. Et ils font quoi ? Bah, ça négocie et on crée un pays, en gros, on les renvoie sur les côtes, et on crée le Libéria. Et ils font quoi, les esclaves qui reviennent ? Ils s'appellent les Afro-Américains, et ils viennent dominer les populations sur place, et les réduisent à l'esclavage. Donc vous, les Afropéens, bon, c'est pour ça que j'aime pas les Afropéens, dans 10 ans, ils vont revenir en Afrique et vont vouloir remettre... Donc c'est très caractéristique, cette histoire de se recréer une sous-culture à partir du moment où on est parti. Dans l'histoire, c'est très courant.
fin de la parenthèse. Oui, donc c'est une œuvre très intéressante, dans le mais vraiment il réussit un coup de génie dans le profil psychologique de l'héroïne. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas parlé davantage de ses parents, de son rapport aux parents. Les parents, ils apparaissent dans le livre, mais en second plan, on ne les voit pas beaucoup. C'est comme des fantômes, en fait. Le rapport à la mère, parce que finalement, elle lâche un peu des petites pistes en disant qu'elle ne s'est pas sentie aimée par sa mère, que sa mère l'utilisait juste pour se dire qu'elle était la plus belle. En fait, c'était un miroir, mais la mère était toujours plus belle que sa fille. Donc il y a un sentiment d'avoir été mal aimé par ses parents. Enfin, on ne comprend pas trop parce que l'auteur il creuse pas vraiment sur cette piste-là. Et c'est bien dommage, ça nous aurait donné plus d'éléments sur le profil psychologique de... Sur cet aspect-là, on va le garder parce qu'on en parlera avec Isegawa sur justement le rapport... Le lien à la mère. À la mère. Donc, sur le Russell Banks, un petit commentaire. Nous, en tout cas, on le American Darling. Il sera adapté au cinéma American bientôt. Je l'ai vu. J'avoue que j'ai pas énormément accroché. Enfin, personnellement, j'aurais pu le finir et je l'ai pas fini en fait, parce que j'ai pas réussi à accrocher. Je suis arrivée à peu près à la moitié du livre, donc je ne peux donner mon avis que sur environ la moitié du livre. Mais j'ai décroché. Honnêtement, c'est trop. Ça foisonne. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et puis le personnage aussi, c'est un personnage. Il est peut-être un peu trop réussi pour moi. Mais vraiment, cette femme, elle n'était même pas antipathique, mais j'ai. Je suis passée à côté. Elle était agaçante. Je suis passée à côté, donc ça, je pense que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Après, je ne suis peut-être pas arrivée jusqu'à la partie où il y a vraiment l'intérêt sauté aux yeux. Mais honnêtement, je n'ai pas vraiment pu... j'ai pas senti l'intérêt de continuer à lire, en fait, l'œuvre sans la critiquer de manière gratuite comme ça. C'est juste que je ne parle pas de l'écriture, je ne parle pas de ça, mais le personnage... Il a peut-être tellement bien décrit ou... C'est peut-être les allées venues dans le passé, dans le présent. Il y a quelque chose dans le livre qui a fait que j'ai pas réussi. Ensuite, après, peut-être que vraiment sur tout ce qui est l'histoire du Liberia, etc., c'était là que vraiment résidait l'intérêt du livre et l'intérêt d'avoir toute cette première partie sur un personnage qui est vraiment très, très froid, qui a même un rapport plus fort avec ses chimpanzés qu'avec les êtres humains. C'est peut-être ça, mais de mon point de vue, c'est... C'est pas ce... Bon, on va dire... C'est quand même un personnage 2/3. Écrit par un homme. Oui. Féminin écrit par un homme. C'est peut-être aussi... C'est réussi. Enfin, je ne pense pas que ce soit... C'est crédible, en fait. On refera une palabre sur la loi du genre. On a fait ça, justement, sur la loi du genre, le fait que les hommes écrivent dans les peaux des femmes ou les femmes écrivent dans les peaux des... On en refera une et on verra si... Apparemment, si c'est réussi. Si c'est un... Ouais, c'est... Ouais, on va dire est 2/3. Russell Banks, il sait quand même très bien se mettre dans la peau de gens très étranges ou très borderline par rapport à la société. Voilà. Il en a fait sur des délinquants sexuels, etc. Lui, il ne l'est pas. Et pourtant, il arrive à nous faire sentir quelque chose. Normalement, il est très bon pour ça. Moi je trouve que le personnage est très crédible, hein. Anna, c'est pas une fiction, c'est quelqu'un qui peut réellement exister. Oui, tout mais c'est surtout que c'est quelqu'un d'antipathique, ça arrive, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être de bien aimer le personnage. Moi j'ai pas aimé le personnage. Bon, on peut ne pas aimer un personnage et que le. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait. C'est une enfant gâtée, quoi. Vous avez lu un extrait, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est les termes qu'elle a utilisés pour décrire sa grossesse, c'est très scientifique, c'est très... C'est très froid, il n'y a pas de sentiment derrière. Elle a fait médecine, oui, donc c'est très scientifique. C'est un peu trop scientifique, et je suppose qu'elle doit parler différemment que ses chimpanzés, il doit y avoir une espèce d'une animalisation peut-être de ses fils, et du... je sais pas, non ? Il y a pas du tout, elle reste détachée. Elle reste complètement détachée de ses fils. Sachant qu'il y a quand même le bémol, c'est qu'après, quand elle prend énormément de risques dans le but de les retrouver, ses fils. Au début, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit bien que c'est surtout pour ses chimpanzés qu'elle repart en Afrique. Oui, mais... Donc, c'est pour ça qu'elle est vraiment détachée de ses... Non, mais il y a une prise de conscience tardive un peu. Donc, Céline résonne un peu comme un aveu de culpabilité. C'est « j'ai fait ceci, j'aurais dû ». C'est vraiment... une lucidité, mais tardive. Donc, elle raconte les événements, elle raconte ce qu'elle aurait dû faire, mais finalement, cela ne rime à rien. C'est un enfant gâté, comme je dis. Je me demande même si son militantisme, quand elle était jeune, c'était pas seulement pour faire chier ses parents. Oui. Pour faire chier ses parents. Parce que finalement, quand elle est sur le terrain en Afrique, elle fout rien. Elle fout rien. C'est pour faire chier ses parents, elle vient d'un milieu aisé. Enfin, c'est aussi là le rapport au père, la cassure. Parce que Russell Banks, quand on fait sa description, on dit qu'il sort un peu des sentiers établis par le père pour lui. Son père qui voulait qu'il soit plombier, lui s'écarte de cette voie. Et
également la jeune fille, enfin la jeune femme, son père est quand même un docteur qui écrit des bouquins et qui jouit d'une grande notoriété. Mm-hmm. Voilà. Elle va s'éloigner de tout ce que les parents ont prévu pour elle. Donc, c'est une sorte de rébellion. On le conseille à deux contre un. Ah oui, vivement. Il y a une portée très, dimension très cinématographique. Allez.